Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Moun campé sous des grands pour garder action ça. Yon monsieur qui a l'acheté yon bœuf, li fin paye bœuf li et puis li fait papier pour li, li prend direction la caille li. Au cours de la route, eh bien bœuf ça pral déclarer li. On pas qu'on fait toute route ça, moi pas qu'on marche comme ça. Situation ça qui t'a pral fait paysan ça mettez des mines en tête rapidement. Prend direction tribunal avec bœuf là pour qu'on ait des kimanières, des kimanigances. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, rivé bœuf là, rivé dans tribunal là, c'est kounya bœuf commencer parler. Bœuf déclaré qui côté le sorti, petite qui est lié, qui est qui touille. Raleti chesbao, chitam pral bo plus détail, tale kon sa. Haïti et sécurité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, si vous capable doubler tout pot kayou, pas hésiter fel, parce que kounia, c'est un de kayou entre vin kidnappé moun. Le cas de ancien commissaire police la, Manuel Orival, ça passé hier soir nan rue Nord Alexis, tête ravine pintade. PNH corruption. Ex-DG PNH la, Michel Gédéon, lui-même, la Cour cassation épinglait sous administration la gestion finance l'IA, li viole loi sous comptabilité publique là. Selon rapport CSCCA, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, divers millions goud et bien fait fond. Ou t'as rien connu, combien l'argent qui boule dans administration ça, qui s'est passé? Est-ce que pas gen rapport qui baille? Est-ce que gen rapport qui baille? Alors, sous ça, raleti chèz ba ou chita confortablement, fou ko zami info pa ou pral ba ou tout tripotay nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun ki janouye. Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, sou fèk tombe sous channel là. Pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pas ou fou. Nous t'ai une chance présenter un petit compte hier. Compte ça qui c'était? Choukboa nan mitan nan mè. Réponse là c'est Lombrique. Nouveau compte ou gen mesdames, mademoiselles et messieurs en bati cri crac l'eau descend bon. Pas hésiter à quitter réponse pour là dans commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Jean nous t'ai annoncé ou eh bien bœuf parlé. Comment ça yon bœuf parle? Pour un pile moun, c'est dans film yon qu'on a regardé bagay ça. Mais en Haïti, nous connaissons, nous chargé talent kap gaspillé. Imagine nous fait bœuf la parler pour tout bon. Fait l'expliquer des bagay, bœuf a crié normalement. Ha, m'a caché dou, c'est pas n'importe Hollywood nous tap gagné par Borisit. Mais malheureusement, kote gen kou pa gen chen. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon marché qui rele marché payan. Yon paysan fin rassemble ti kobli. Pour l'acheter yon bœuf pour le garder comme nous connaît bœuf cabrit ak yon paquet l'autre bête volaille c'est canet banque chaque paysan les monsieur rivé dans marché ya ziziel bat sous ti bœuf ça après le fin négocier avec met bœuf li arrivé acheter ça qui passé eh bien ça passé dans une section communale dans commune Mobekrochi qui fait partie des arrondissements Valier dans le département nord-est pays. Kounya, pendant la marche, koutap, la pousse bœuf li. Ouah, ouah. Et puis, direction pour la kaili. Et puis, sans pas prêter attention à ça, bœuf commence à plaigner. Bœuf a plaigné, bœuf déclaré qu'elle pas qu'on fait tout route ça. Donc, monsieur a saisi, gen moun qui tape la kode la, qui tape pété courir pour mande, ça qui passe comme ça, côté bœuf qu'on parle. Bon, j'ai pas créé bœuf pour bœuf parler. Hadje! En bas, si elle blesse à gué, ou mesdames, mademoiselles et messieurs. Eh bien, monsieur ça, avec toute son foile, li prend bœuf, li mène dans le tribunal, dans la commune. Les bœuf l'arrivé dans le tribunal, bœuf continue à parler pour le dire. Li se petit Jean-Claude Verbal, qui se yon professeur dans l'école presbytère Saint-Jean Bosco, dans Port-au-Prince. Donc, lui-même, c'est étudier qu'on étudie. Li bay qui est-ce qui touye elle-même déclarait qu'elle pas qu'on fait toute route ça. Monsieur Verbal, si toutefois, ou t'attendais message ça, pas hésiter à le chercher petit toi
qui tourne bœuf. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas la première fois que j'ai des actions qui ont passé dans le pays. Je songe, c'est que tu as un foie, tu as un bœuf qui est sorti, Jérémy, et puis le bœuf est arrivé sous waf Jérémy. Tu as un bœuf red athlète, bœuf commence à crier. Bœuf a crié, bœuf a déclaré qu'elle fait accoucher, il quitte un petit bébé 15 jours. Bef a dit mais qui est lié mais comme même Maril mais combien petite li gen c'est Jérémy Otouyel. Bef a crié de l'eau a saute dans Bef. Donc rapidement tonton Makout t'a pral marré et bien moun ki te vini ensemble avec pil Bef yo débarqué sous Av Jérémy. Kounya là sûrement les nouvelles ça tombé dans oreille moun ki te vann vache Bef, sûrement moun ça prend la poudre des campettes là paon. Donc c'est pas journée jodi a action ça passe en Haïti moun a tourné Bef yo vann moun. Moi rappelé mon lait et gon proche mon grand-parent. Il était qu'on mangeait viande cochon, c'est depuis les ça il pas besoin manger viande cochon dans la ville encore. Ça qui passe mesdames mademoiselles et messieurs. Là l'acheté non bac machin. Et puis il dit machin nan vendre moi nan machoué cochon. Les machin nan coupé parti en bas machoué cochon avant livrer. Pendant le pral faire un coup dedans et puis ça qui passé, l'el garder nan gencive cochon, li wè deti dan ka poussé. Dan cochon pas qu'on pousser comme ça. Eh bien, son petit moun yo fait tourner petit cochon. Adje, eh bien, rapidement, comme monsieur lui-même, il ton gros sergent à l'époque, débarqué devant bak machin, mare machin kou krab menel nan prison. Et là, ça, machin nan pral bay tout détail, moun ap konne ke machin sa, c'était lougaou, majorité moun ki te kon ap achete viande nan mel, eh bien, c'est petit moun te kon ap manje. Est-ce que nous comprenons, mes amis? Donc, gede moun ou qu'on a l'acheter fig nan mais ou pa jan mwen fig la gen plus que 5 à 10 grain là-dedans. Veye yo parce que moun sa yo c'est mauvais jé yo. Donc en ce sens mesdames mademoiselles et messieurs, ça qui passe eh bien nan mon becrochu hein, c'est pas un petit bagay qui petit puisque en Haïti nous ka fait n'importe bagay. Yo souvent dit c'est des bêtes moun sa ou pa ka tourner pigeon ensemble avec mouton. Eh bien, même viande nous qu'on a l'acheter nan marché ou ka saisi ou alors rive, ou ap gade tab machin nan, ou ap gade viande bef la, viande nap danse sous table la. Prends précaution ou ap manje viande moun quand même. Donc, pas ton presto pa kon ki va lè viande moun nou manje tout parce que ou fan pile moun doune bef. Donc, en ce sens, malfekte a fan pile sou ici. Bah, la pas facile. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, si toutefois ou ta konne monsieur ça, qui c'est Jean-Claude Verbal, qui c'est professeur dans l'école presbytère Saint-Jean Bosco, eh bien, petite li a qui te mouri li bel et bien vivant, et en bœuf nan commune, et mon mécrochu, donc, va hésiter à checker quelques prêtres pour, si t'es capable de récupérer, nom nan quand même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dossier yo pas fini là, eh bien, zak insécurité a continué à monter chaque jour dans le pays d'Haïti. Si toutefois que ou ka passe clé dans la porte ou si toutefois ou ka double porte là, pas hésiter à faire ça puisque nous, voler à pantre, casser banque, les âmes sous moun, et yo a pantre prendre moun n'importe côté, yo a pas assassiner moun. Donc, si ou a vivre frem, c'est grâce mon Dieu sou, c'est pas yon faire pour ça, c'est rete seulement ou ou comme ça. Parce que complot fait déjà pour pas exister déjà. Donc hier soir, eh bien ancien commissaire police là Manuel Orival, eh bien la kaeli bandi exam débarqué kidnappé dans rue Nord Alexis, eh bien tête ravine pintade. J'ai noté annoncé eh bien CSCCA mettez yon note d'ailleurs qui baille tout détail sous gestion eh bien administration ancien directeur général la police là, Michel-Ange Gédéon. Passage Michel-Ange Gédéon en tête la police là, qui s'est passé? Eh bien, CSCCA commence note là pour dire, gestion finance PNH là, c'est une source convoitise. Tentation à corruption qui baille en pile conflit, indiscipline et instabilité en dans institution qui a un gros impact direct sous sécurité publique là. C'est ça qui dit dans rapport Audi, cours supérieur des comptes à consensier administrative sous gestion finance ex-directeur général PNH là, Michel-Ange Gédéon.
pour période sorti 8 avril 2016 à 30 septembre 2017 à 1er octobre 2017 au 27 août 2019. Passage Michel-Ange Gédéon en tête la police là t'est marqué par violence loi comptabilité publique selon analyse CSCCA sous gestion 10e directeur PNH là. Pour ça, la cour a dit, gagnon paquet frais qui baille, yo douté sou, yo en pile par rapport à effectif dépense qui fait, administration sa dépensé plus passé 30 milliards de goudes qui égale avec 600 millions de dollars américains. Gestion ex-DG PNH là, elle révélait en pile fait qui constant qui permet yo douter sérieusement de yon paquet bagay qui fait sans fiche livraison, sans yon paquet activité sans rapport, yon paquet mission ak payroll sans rapport tout. Dossier ou pas fini là. Parmi irrégularité yon constaté nan période soti mois avril 2016 jusqu'à septembre 2017, non seulement 17 mois auditoire accompli pour le 13 janvier 2021, et par monsieur Napoléon Lotsur, li révèle gayon 1,266,913,000 goudes qui égale à un total de 20 millions de dollars américains, yo pas supporté à pièces justificatif yo. Yo font qui marque près de 20 millions de dollars dépensés dans une institution police dans transaction qui fait à trésor public. N'a continué. Dans période octobre 2017 à août 2019, y a un total de 5,2 millions pas qu'à justifier sous l'ordre Simone Irland Maxime Joseph, chef service d'APLA. Y a qu'on est comme ça, rete sous compte bancaire personnel li pendant plus passé 3 ans. Pour mission, te décaissé l'argent, li pas arrivé fait. Comme ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, li te décaissé nan date qui était 16 mai 2018 là, sous l'ordre Irland Simone Jean, pour capable transférer 150 détenus à destination de la prison civile cap-haïtien. Mission a pas réalisé et l'agent s'arrêtait sous compte comptable d'APLA, plus passé 3 ans. Contrairement à ça qui mentionné dans Audi, dans page 15, eh bien, c'est 251 000 goudes, yon mette, et non 5 200 000, et non 5 200 780 goudes. Donc, côté 5, yon mette le D. Côté D, yon change chiffre. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, la cour supérieure des comptes vraiment douté sous rapport que yon baille là, tandis que yon dépense yon quantité l'argent, yon pas qu'à baille comme si qui côté l'argent ça fait, puisque yon paquet dépense qui fait, yon paquet payroll qui fait, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, dossier, yon ti jan paraît flou, dévanger la cour cassation. Donc, gestion Michel-Ange Gédéon, yon ti jan paraît flou, dévanger la cour cassation. Donc, pendant période, l'été, directeur général la police là, donc quantité cob ça qui dépensait, c'est une quantité cob qui était capable de mettre la police loin. Et jusqu'à présent, mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré quantité cob yo dépens yo décaissé et trésor public lui-même a écrit rapport de temps en temps quantité le bail, donc pas qu'à jamais gagner une sécurité sérieuse dans pays. Et non seulement ça, tout, yo pas jamais gagné, j'ai eu qu'on dit, yo pas jamais gagné matériel, non, mais yo, pour yo faire face carré ensemble avec Bandi. Donc, en ce sens, l'agence a eu qu'à plaider des questions, c'est qui côté yo aller. Donc, moi, espérer que la Cour supérieure des comptes continue à faire suivi sous dossier ça, pour bail bon genre explication. Et non seulement ça tout, pour ancien DGA, bail qui côté l'agence a fait. Parce que, non sens, si chef ça quitte tête police là depuis tant date ça li tape important mesdames mademoiselles et messieurs tout de suite yon chef li même fin aller rapidement ça qui vini après là eh bien nous déjà entré dans la justice pour nous connaître qui jan gestion antayé qui jan l'argent dépensé pour tout rapport sorti de quoi ça cap vini en li même pour pas penser bagay la son piaille pour vinn piafé comme ça tout
Donc, l'enfin qui était tout temps ça au passé, c'est qu'on y en a vint râler, yon dossier. Sûrement, moun n'a pas cherché un paquet, et l'audience t'y mettait à terre pour le dire, mais ça l'était fait, même ça l'était fait, même genre avec dossier, là, j'appelle tout Caribéa, ou songez monsieur à qui vint le dire, mais qui quantité l'argent qui t'est dépensé, oui, mais qui va aller stade, me fait, mais qui côté stade, oui. Et jusqu'à présent, nous yon baka comprendre qui j'en dossier ça a fini puisque chaque moun a pris les pieds pour dire yo pat nan l'argent, yo pat manger l'argent. Donc, en ce sens, est-ce que n'a toujours quitté genre de activité ça ou fait nan pays pour n'a décaisser l'argent, tandis que za fait l'État pas jamais géré vrai, za fait la police ta pas jamais géré vrai, tout moun se intérêt personnel yo a géré. Imagine pour l'argent décaisser, eh bien, c'est sous compte. Comptable d'appla l'aller, li fait plus passer 3 ans à balader, eh bien, pour cob, pour mission que yo te décaissé comme ça, mission en bas, jamais fait. Donc, en ce sens, après au fin décaissé comme ça, qui est-ce qui t'a supposé là pour enquêter pour est-ce que travail ça fait tout bon vrai? Donc, la justice lui-même a fait corruption par l'un bord, la police a fait corruption par l'autre bord, peuple a fait corruption par et gouvernement a fait corruption parle donc nous capable comprendre dans quelle situation que nous trouvons nous avec pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, franchement année 2021 ça semblait il pas fait trop haïtien trop bien non parce que mesdames, mademoiselles et messieurs nan moment là gon feeling et pas si sensation pitié non femme qui met garçon d'ailleurs femme qui saccage garçon donc femme nan voye chacho ou pa travail ou pa pede le paye bill metode yo femme met ta femme bat garçon pour mettre yo de ça passe comme ça ti monsieur allez may nou non nan diaspora mesdames yo fait nous trop donc tout a avili l'autre sur réseau social mais go réflexion pour nous faire mesdames mademoiselles et messieurs souvent garçon kon prend mesdames yo ak depode yo donc on nous gagne la reconnaissance tout. On va l'expliquer. Souvent monsieur qu'on prend mesdames yo à dépôt yo et puis yo fait femme ça une femme. Yo femme que lui-même lui pas de jambe révèle ta pied dans la ville. Nèg la dépenser l'investi dans femme là, lui met femme là à la hauteur, lui met au niveau. Ça qu'on arrive parfois eh bien cap ou vinn prend vent ou ça me dit là ou sent tout dans ciel eh bien ou bien passant l'air qu'on y a ou nèg ça pas mes pieds encore ou choisi pour l'autre ou choisi milieu nèg là virer do ou aller donc nèg ça lui-même li pas choisi ni filmer li pas choisi ni faire scandale avant dans la religious quitter la nature faire chimer li dit ou mettre à le faire ou tout pas gain problème mais par rapport avec ça qu'a passé journée jodi a donc garçon toujours était garçon. Malgré autant de monde d'après l'homme, oui, 50-50, pas de problème, n'a pas géré 50-50 là. Mais, yon garçon ou même, ou doué qu'on est pas sage ça, qui dans la Bible qui dit, garçon doué prendre soin femme ou doué prendre soin femme. Ça qui arrive, c'est, non, bon, c'est femme n'a capté qu'elle, mais, ou pas doué être ignorant, ou pas doué être sous des blocs glace, ou pas doué être chita devant télévision, matin, midi, soir, et puis femme n'a lui-même la bouille. Que bah, ou, femme n'a pris au moment, il y a bout, parce que femme n'a pas toute patience, ça, avec garçon. Faut que nous connaissons ça. Donc, ça qui arrive, pourquoi je ne travaille, mais, non sens, tu travailles dans la caille là, ou gérer ça, les femmes n'a vini, ou que t'as fait manger, ou ça, femme remet ça en pile. En pile. Donc, ou pas paraître tant qu'on parasite dans la ou utile quand même, mais de temps en temps, ou a dit chérie, qui ça passe, et essaye de garder coton là, sous je n'en débouché pour moi. Ou a cherché, ou a bousqué, moun n'a pas comme si, ou gagne yon détermination, moun n'a ouais que ou a gon poussé de ou bouche un travail là, tout bon vrai. Mais l'on est au chita sous bok gassou, ma yon travail là, non chita. Femme fait carré mette nous d'ailleurs, et bagay qui dit ou pour fin rive Miami, et puis ou t'as des femmes à mettre au dehors, quand y a cause ou pas Haïti là, hein. Ou à manger femme, ou à manger l'argent, ou pas payer le paye bill. Bagay yo pas comme ça, monsieur. Mais, mesdames, tout, faut que nous tekelizi nous par rapport avec monsieur, parce que monsieur passe en pile mise ensemble avec nous. Monsieur investi dans nous en pile tout. Donc, en ce sens, faut que nous yon capable supporter l'autre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, cause yo pas fini là. Donc, année 2021, tout, divers problèmes à pentrer. Hadje, m'ap gadon dame, et puis, dame l'assemblée, al, font chirurgie esthétique. Dame nan envie Kim Kardashian. L'envie met ton étage sous mon date kou, et atis haïtienne. You understand me? Donc,
dame nan contacté docteur, mais docteur semble elle gen trop client gounya, docteur a pa gen temps pour vinn faire opération, ça bi semble dame nan te gon forme give up, on forme anana. Ou forme carotte, on forme ignam. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dame nan rale téléphone pour faire live, mais ça docteur fait, eh, forme nan pas bon vrai non. Parce que l'on a gardé mes amis. Mesdames, yon dit yon papa le fait sport. Trop graisse. Yon prend trop temps. Yon juste checker l'âge pour yon vin font opération pour yon vin refait quoi. Pour yon vin, comme si pour yon vin, pour yon kabay problème dans la rue. Pour yon refait tete yon. Pour yon senti yon belle, yon senti yon comme si en forme. Même jan, j'en ai jodi yon kampay kap fait pour, comme si, pour moun yon blanc. Ouais, ça m'dou la déchouke black. Madame, sa black la gen yon a déchouke le comme ça. Ça veut dire, nous capables de comprendre dans qui niveau nous arrivons, parce que, tout le monde s'est déchouqué black, n'a mettons petit couleur, n'a mettons un samedi là, n'a cherchons l'autre couleur, parce que nous senti, noir, nous pas moun, faut que nous blanc. Adieu, mesdames, mademoiselles et messieurs. Dans les jours à venir, nous mettons quoi, moi? Une série de cancers, peau, qui pral péter dans le monde. Bagay la pas piti, non? Parce que, produits chimiques ça on a peut des utiliser. Gen moun ki touche même ka deuxième pou yo parce que gen moun ki tellement noir, gen pression, même gen fait 5 ti bon kit crème pou ko ka grimel la. Donc là elle vient reci grimel là ou elle vient rose tant qu'on ti comment go konsa oui. Mago ju bonbona, il vient rose en bas crème là. Donc en ce sens, pour qui ça n'oblige te a fait tête nous passer tout misé ça. Oui nous gen kòb nous ka fè kon nou bel mais là on est contre docteur et puis docteur remet tout ça docteur comme si j'en te prétend nous t'as pris la forme ou t'as pris le bel là il pas passé comme ça bagarre là humiliant donc gè des opérations tout mesdames mademoiselles et messieurs faut nous connait opération ça au difficile parce que gè des formes nous regarder sur internet là franchement docteur a décourage avant parce que là tellement ouais gè travail pour le faire ou quand même mourir dans passage parce que gè des moun malgré tout ça fait forme ou t'as remet gain ou pap ka gen l'oblige chercher côté pou mwen. Gros nouvelle. Mon ami yo, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis ou c'est haïtien, ou doué compte tout sa kap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo à pou travay la capable avancer. Zami pa ou fouko. La voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous info. Actualité à concernant pays d'Haïti, plus passé 60 parlementaires américains voyaient une lettre by département d'État pour demander aux États-Unis, entre autres, pas supporter aucune façon référendum à élection dans le pays d'Haïti. Haïti référendum environ 24 heures après fermeture registre référendaire là, Conseil électoral provisoire dit Ligue Konya et aux outils légaux pour le travail sous liste référendaire là. États-Unis immigration, vice-président américain Kamala Harris discuter avec le président Guatemala, Alejandro Yamatei, sous façon pour diminuer la quantité d'immigrants en Amérique centrale qui viennent chercher asile aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Et donc, plaisir, même chaque jour. Et actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti ou bien concernant le pays d'Haïti, côté que eh bien, plus passé 60 membres dans la Chambre députée Congrès américain voyaient une lettre by secrétaire d'État Anthony Blinken, une lettre hier lundi 26 avril, là, pour demander pour États-Unis changer politique vis-à-vis Haïti. Lionel Demarat a présenté nous quelques extraits, lettre ça que 68 députés voyaient by département d'État. Napsité. Les nous considérer tout facteur ça yo. Nous encourager département d'État prendre disposition ça yo. Numéro 1, parler clair pour dire les États-Unis pas offrir aucun support financier ou technique pour faciliter référendum sous constitution proposée sans oublier pour pas faire ça à travers institutions multinationales. Nous noter que dans discussion autorité département d'État yo fait avec membre Congrès yo déclaré yo pas pensé li approprié pour responsable yo avancer avec référendum non. Cependant, organisation État américain yo l'OEA ak mission Nations Unies en Haïti a binu offri appui verbal yo pour processus là. Nous encourager département d'État sérieusement pour utiliser voile ak vote li nan institution sa yo pour garantir que l'argent contribuable américain yo pas dépensé pour corriger référendum ça.
Numéro 8, recadrer et réformer politique les États-Unis en Haïti grâce avec nomination d'un acteur qui méritait confiance pour servir comme représentant spécial pour Haïti. Mission yon moun qui occupe yon position comme ça, c'est superviser yon révision générale assistance étrangère les États-Unis et li va gen pour le travail pour permettre acteurs qui éparpillés, quitte c'est ça qui en Haïti yo, quitte c'est ça dans communauté internationale là, pour yon réunir ensemble avec l'idée pour corriger yon stratégie que Haïtien va lancer pour développer démocratie. Numéro 9, faire consultation dans haut niveau avec représentants société civile là en Haïti et avec groupe dans diaspora pour tendre des cases avec recommandations yo sous façon Haïti capable avancer sur route démocratie. En balet ça nous joignent signature 68 membres chambre basse les États-Unis. Merci Lionel Demarat qui se présente nous extrait quelques extraits dans lettre ça que 68 députés voyé by département d'État puis précisément secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Réaction sous lettre ça, M. André Michel, qui est porte-parole secteur démocratique et populaire, il réagit sous lettre ça pour dire que position, branche opposition que la donne, il n'y a pas gagné aucune négociation, ni élection, ni référendum avec président Jovenel Moïse. Nous pas dans négociation avec Jovenel Moïse, nous pas dans référendum avec Jovenel Moïse, nous pas dans élection avec Jovenel Moïse, non pas dans cohabitation avec Jovenel Moïse. C'est la position du principe du secteur démocratique et populaire. Et je vais le dire au plus. Je dis à pas aucune élection possible. Pour le moment, pas un conseil électoral. Ou pas qu'à parler d'élection avec un conseil électoral, il y a 9 membres PHTK. Là, ce n'est pas possible. C'est 9 membres qui travaillent pour PHTK. Il faut un conseil qui est crédible pour l'élection. Deuxièmement, climat sécurité, a Jovenel PHTK mette gang dans le pays, kidnapper moun, tuer moun. Ou pas qu'à parler de l'élection, non, climat d'insécurité aussi et inquiétant. Troisièmement, toute classe politique là, opposition, toute société civile l'a dit, y'a pas dans l'élection avec Jovenel Moïse. Quatrièmement, sur le plan technique, les conditions ne sont pas réunies. D'accord? Jusqu'à présent, pour avoir 4 millions de monde qui ont un carte électorale. Et son carte électoral dermalogue, personne ne peut faire confiance. Bref, les conditions techniques ne sont pas réunies. Il n'y aura pas d'élection cette année en Haïti. Oui, et si la communauté, si la communauté internationale, si la communauté internationale, oui, oui, mais c'est faux. Si la communauté internationale souhaite vraiment qu'il y ait des élections en Haïti dans un délai raisonnable, cette communauté internationale, quitte ses ambassades américaines, quitte ses corps groupes, qui c'est tout l'autre monde au département d'État et la trier, ils ont fait pour comprendre que il y a 4 conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections. Il y a 4 conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections en Haïti. La première condition minimale, c'est le respect de l'article 134-2 de la Constitution. La deuxième condition minimale, c'est la mise en place d'un conseil électoral crédible. La troisième condition minimale, c'est sécurité qui gagne dans le pays. Et la quatrième condition minimale, faut gagner des conditions techniques qui réunissent, faut que tout le monde gagne carte électorale dans le pays. Première condition, c'est le respect de la Constitution. J'avais dit, faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Bref, il n'y aura pas d'élection en Haïti en 2021. Et la communauté internationale commence à pénétrer cette réalité, à savoir que les élections sont impossibles avec Jovenel Moïse en Haïti. Et Jovenel Moïse, je le redis, je m'adresse à la communauté internationale. Jovenel Moïse, aujourd'hui, c'est un irritant. Il est le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti. Si la communauté internationale veut des élections, effectivement, il faut le comprendre, nécessité pour que le plus vite possible, il faut évacuer Jovenel Moïse. Et nous autres de l'opposition, nous n'avons pas peur des élections, nous voulons aller aux élections, mais nous exigeons que les conditions soient réunies. Première condition, respect à l'article 134-2 de la Constitution, il faut que Jovenel Moïse évacue, parce que le mandat fini, il a le pouvoir par la force. Deuxième condition, il faut gagner un conseil électoral crédible, pas avec Mounsa Ogila. Troisième condition, il faut que sur le plan technique, tout le monde capable de jouer une carte électorale, il faut un système fiable, il faut une liste électorale générale fiable. Et quatrième condition, il faut une sécurité pour tout le monde.
Bref, nous n'avons pas peur des élections. Nous sommes pour des élections le plus vite possible, mais les conditions doivent être réunies. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Fondi sous accusation, 9 membres Biota et membres PHTK. Moi, j'entends des déclarations de Guirlande Mesadieu, qui est président de CEPA, qui dit que lui-même, depuis président, est fin nommé là. Il n'y a pas de rapport encore avec président, pas dépendre de président. Nous souhaitons que nous avons Mme Mesadieu sous plateau ça pour être capable de faire le point par rapport à l'accusation que Maître André Michel. Et fait. Ou sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, ou à suivre. Rendez-vous info. Merci d'être branché, toujours été branché. Dans moment ça, nous gagnons Konya sous Skype, ingénieur Mathias Pierre, qui est ministre dans le gouvernement, qui est chargé de élection avec rapport et avec parti politique. Monsieur Pierre, ministre Pierre, c'est un plaisir pour nous accueillir sous la voix de l'Amérique. Et on le fait encore. C'est un plaisir pour moi avec vous et certainement avec tout auditeur, auditrice, captain de la voix de l'Amérique dans le moment. Et ministre Pierre, ou c'est ministre qui est responsable question électorale dans le gouvernement, et ou s'entendez et lettre ça, extrait dans lettre ça, peut-être que ou l'île déjà, qui parlait de gouvernement américain, c'est un groupe parlementaire qui demandait que États-Unis pas contribuer, pas supporter ni référendum et même et élection. Et ou même qui j'en ou tendez yon réaction comme ça. Let's ça. Qui j'en lit let's ça? Bon, écoute, et moi, quoi que je dis, hein, et gagne en pile et information, et particulièrement des fausses informations qui a circulé et en pays hein, et sur les réseaux sociaux par rapport à la réalité. Et certainement, et au niveau du gouvernement haïtien, le président Jovenel Moïse lui continue à faire appel à la classe politique là pour que gagne un accord politique qui sorti. Il continue à ouvrir les bras, il continue à faire appel et faire effort pour que un accord politique. Mais cependant, il est clair que nous, dans la cinquième année, mandat président Jovenel Moïse qui est élu pour 5 ans, et 7 février 2022, mandat à privé à terme. Il y a une obligation constitutionnelle pour qu'il remette le pouvoir à l'autre président élu. Et seule façon pour que ça fasse, il faut le faire à travers des élections. Ça, c'est une route que le président est obligé de prendre parce que le peuple haïtien, le seul pouvoir qu'il gagne, c'est utiliser un bulletin de vote pour qu'il décide qui est qui peut diriger le pays. Et c'est pour ça que l'élection, c'est une obligation que l'y est. Et ça étonne que nous tendons des déclarations et nous suivent et nous lisent avec un pile attention lettre du congressman qui écrit, qui t'a presque t'a suggéré que l'élection pas ta obligation. Mais nous croyons qu'en démocratie, et pas une démocratie, sans que gagne élection côté peuple là, il gagne pouvoir pour décider qui monde qui vous dirige. Maintenant, pour ce qui est du référendum qui est un acte souverain de l'État haïtien, nous comprenons position certains acteurs de l'international qui ont même mandé et qui continuent à intéresser ouais que gagne ouverture qui fait pour que l'avant-projet de texte proposé soit discuté par différentes couches et strates dans la société, ce qui a fait jusqu'à présent depuis le texte en sortie en février dernier, nous continuons à prendre des dispositions pour que le peuple haïtien connaisse le texte. Mais l'acte est un acte souverain et le peuple haïtien, le 27 juin, vient pour décider si oui, livre les nouvelles constitutions, laisse sa élection a fait sous nouvelle constitution, sinon, élection a fait sur la constitution de 1987 amendée en vigueur. Donc, monsieur Pierre. Monsieur Pierre, si vous comprenez bien, l'aide ça n'a pas fort, ni chaud ni froid. Et nous, tant de partenaires du pays à Minouyo, et qui y a des positions que vous prenez dans l'aide ça par rapport à TPS, par rapport à compatriotes qui vivent aux États-Unis.
mais il demandait pour que pas gagne financement référendum là qui fait par le gouvernement américain. En fait, et déjà communauté internationale là t'es déjà pas tap financer référendum là et Haïti pas de faire qu'une requête pour que le référendum là t'es financé par l'aide extérieure. Gagne un basket fund et ça n'est un fonds fiduciaire qui mettait en place par le système des Nations Unies dans le cadre d'un accord qui pour bailler support technique et logistique dans la question élection. Jusqu'à présent, c'est Haïti qui verse le premier versement de 20 millions de dollars qui verse et qui permet de faire toute commande de matériel non sensible et sensible qui vient pour arriver mimer, qui pour faciliter et faire référendum là. Et deuxième versement et qui pour permettre préparer l'élection septembre Cap Vinio, c'est encore pays d'Haïti qui verse 9 millions de dollars comme contribution en d'un fonds fiduciaire ça. Et oui, et nous t'as toujours aimé comme pays que nos partenaires internationaux par rapport à faiblesse que nous gagnons en termes de structure et d'infrastructure permettent que yo t'as contribué pour aider nous organiser les élections. Mais au moment que n'a pas les uns, c'est le référendum est un acte souverain. Le gouvernement haïtien lui prend engagement pour que lui financer référendum là. Pas un référendum qu'a fait pour le plaisir de faire un référendum. Toute problématique que nous gagnons, par exemple, trois élections qui doivent être faites dans une période de 5 ans, qui n'ont jamais été faites, qui fait que nous gagnons des institutions qui viennent dysfonctionnelles comme le Parlement, c'est parce que le coût élection est trop élevé. Haïti n'a pas de capacité pour faire trois élections dans 5 ans. Je me rappelle 2015-2016, l'élection a coûté 100 millions de dollars. L'élection qui a été faite, le budget, c'est 125 millions de dollars. Nous n'avons pas gagné un volume comme ça pour faire plusieurs élections. Si nous avons gagné une constitution qui permet de gagner une seule élection, un seul tour, tout partenaire international dit nous, une élection à deux tours, il coûte trois fois plus qu'une élection à un seul tour. Pourquoi monsieur, monsieur ne pas profiter de l'étape ça pour avoir une constitution et le président Jovenel n'est pas fait en faveur puisque le pape candidat dans le cadre de ça va sortir, ça veut dire que pour que gagne une constitution qui coûte pays à moins, qui retire la plus crise, la plus confusion, monsieur Pierre, les institutions ont été en place. Excusez-moi que je m'interrompe. On essaie de la situation ensemble. Et référendums sont actes souverains. Mais nous d'accord avec que États-Unis, c'est le grand voisin, avec tout poids que le gagne sous politique dans le pays d'Haïti. Binu, gon position, Nations Unies. Et qu'on y a corps groupe qui a des réserves. La classe politique et des sommités intellectuelles, Jerry Tardieu et Met Gauss, Mirland Maniga, yo tout yo compte question référendum nan, et gouvernement dit ouais pas ouais li pralé, c'est un acte. Ce référendum non son acte souverain, mais il semblait c'est pas c'est plus que yon, c'est moins qu'un acte souverain, c'est un acte gouvernemental parce que si tout secteur ça yo et les amis pas d'accord avec elle, mais nous dit nous praler malgré tout que gen moun ki gen des réserves constitutionnelles par rapport à ça. Donc nous praler quand même. Moi crois que et notre co-groupe là, il dit que quant au changement de constitution, le co-groupe exprime sa préoccupation devant le fait que ce processus n'est pas à ce stade suffisamment inclusif, participatif et transparent. En d'autres termes, toute note qui sortit ni par l'Union européenne, ni par le co-groupe, ni par BINU, yo allé dans le même sens là, yo mandé l'État haïtien, le gouvernement, que en privé, que en public, je vous dis, que le processus soit participatif, le processus soit inclusif et que y ait plus de monde qui participe là-dedans. L'étape un petit peu difficile pour un partenaire international, t'a dit que l'IPA voulait que Haïti consulte peuple, pendant que 90% haïtiens dit faut gagner une autre constitution dans le pays. Et moi, li avec un pile. Est-ce que 90% dit qu'on gagne l'autre constitution ou bien 90% dit que faut gagner référendum? Même opposition, li fait
Congrès Mariot, il dit faut que bon l'autre constitution, mais faut qu'on transition de 3 ans. Monsieur le ministre, et... n'a pas parlé de référendum, nous pas parler de n'a pas de référendum. Pour faire une nouvelle constitution. Et le la note et ou encore cette lettre signée par les 68 et députés américains qui voyaient par secrétaire d'État pas dit que Haïti pas gain droit faire référendum. Li dit et m'appelle là très bien. OK? Américain ou encore gouvernement américain pas doué bay aucun support financier ou technique pour faciliter amendement référendum constitutionnel qui proposé. C'est ça parti anglais a dit. Oui. Et nous comprenons. Et li spécifié dans cadre support ça faut pas gain cob qui bay qui pour aider le fait. Nous comprenons ça comme gouvernement haïtien. Nous et son, des... et son partenaire, des ça veut dire ou en opposition à partenaire là. Nous tendons des partenaires et de plus en plus, nous avons fait tout ça capable. Jodian, dans la presse haïtienne, le débat sur la Constitution est ouvert. Et le texte de l'avant-projet est en discussion et nous avons pris de l'autre disposition pour nous mettre plus de monde embarqué en un débat sous texte constitution, hein, de sorte que nous, au niveau, en tant que peuple haïtien, nous sortis avec un texte qui créait moins de conflits, plus de stabilité politique. Parce que si nous n'avons pas fait ça, nous sommes obligés de faire une élection et nous sommes obligés de faire une dernière session parlement cap gain pour venir en 4 ans peut-être, avant que nous tentions de faire un amendement constitutionnel. Jean Sassoud échoué dans l'année 2019, dans la dernière session du Parlement qui se passe. Monsieur Pierre Bas, nous comprenons les difficultés qui gagnent aujourd'hui dans le cadre de gérer le pays avec la constitution que nous gagnons aujourd'hui. Monsieur Pierre, l'heure ferme la guerre sérieusement, même pour un aspect technique. Hier à minuit, il y a fermé le registre référendaire. Est-ce qu'on a un chiffre sur la quantité de monde qui a dit ça? L'ONU transféré au CEP. 4,5 millions de personnes enregistrées. On a continué à enregistrer les gens, mais le registre électoral, là, comme il faut qu'il était fermé suivant exigence technique CEPA et partenaire technique qui va accompagner lui 60 jours avant le jour du vote, donc il ferme et nous transmettre à CEPA 4,5 millions de personnes qui sont enregistrés et qui doivent participer dans le référendum Cap-Vini pour le 7 juin Cap-Vina. Donc, ministre Mathias Pierre, vous comprenez qu'il faut retourner encore sur la voie de l'Amérique parce que l'heure a bousculé nous. Nous voulons dire merci de ce côté accepté avec autant d'amabilité pour te répondre à question nous. Mais nous prenons l'autre rendez-vous encore. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, ingénieur Mathias Pierre. C'est ministre qui est chargé de questions élections avec rapport avec parti politique dans le gouvernement. Malheureusement, le fait nous la guerre qui était empêché que nous ayons l'autre point avec le ministre là. Quand nous pral en province, et environ 28 policiers recevoir certificat dans une cérémonie graduation qui déroulait pendant le week-end dans le Basio Moncas. Un reportage, Jodley Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté. Dans le cadre du projet PNH, qui porte nom Plan stratégique de développement PSD 2017-2021, un troisième groupe policier qui a fait partie unité départementale maintien l'ordre, UDMO, après une formation intégrée pour quoi il y a là, corps intervention maintien l'ordre, CIMO. Pendant la cérémonie de graduation, ça a été déroulé dans Moncas vendredi 24 avril 2021, département Nord-Est, côté diverses autorités qui prennent la parole, parmi eux, responsable formation, commissaire divisionnaire, Eder Pierre, représentant INL, yon instance américain Cap Goumen contre zafè drogue ak trafic illicite, M. Jean-Claude Mondésir, ak représentant direction générale PNH la, inspecteur général Joanny Caneus. C'était occasion pour responsable formation, commissaire divisionnaire Eder Pierre, te félicité collègue Lio, et puis rappeler nouveau gradué yo à qui sa formation sa pral servi yo. Les notions enseignées par les instructeurs en charge de forte formation en technique de gestion démocratique de foule
vous permettra, récipiendaire, de faire face aux situations de violence dans le respect du principe des droits humains et de développer les valeurs de l'unité. Bon côté PAL, représentant ambassade américaine ensemble avec INL, M. Jean-Claude Mondésir, pas manqué par renouveler engagement États-Unis pour continuer aider PNH là, VINPI professionnel. Des États-Unis pour soutenir la sécurité dans ce pays vont continuer. Soyez assurés. Yon l'autre côté, inspecteur général en chef PNH là, Joanny Caneus, remercier gouvernement américain pour support dans le cadre du projet ça. Pendant le tout profiter, annoncer formation ça pour l'autre policier qui dans l'autre département pays. Le cap est désormais mis sur d'autres départements pour répondre aux besoins du département en maintien d'ordre et d'intervention. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci, Jodelet Junior Saint-Ville, ou toujours sous la voix de l'Amérique, pour suivre un programme en langue créole haïtien, qui c'est Rendez-vous Info. Nous saluons tous les amis Facebook, nous, qui toujours fidèles au rendez-vous, et nous saluons tous les amis qui suivent nous sous l'autre plateforme que nous gagnons, parce que nous gagnons plusieurs plateformes. Nous gagnons Twitter, nous gagnons Instagram, nous gagnons VOA Nouvelle, qui c'est page et site web et service créole là, et nous gagnons sous soi de nous là tout VOA Créole sous Facebook, et nous dit Jodelet Junior merci. Et qu'on y a nous pour l'entrée ici aux États-Unis pour nous parler de d'abord de immigration, vice-président américain Kamala Harris discutait avec président Guatemala Ariando Diamatei sous façon pour diminuer quantité immigrants Amérique centrale là cap vienne chercher asile aux États-Unis. C'est un dossier qui toujours été chaud pour nouvelle administration. Et d'ailleurs, président Joe Biden, malgré qu'il prend bon canet pour trois premiers mois, mais canet n'a pas fini bon dans la question immigration. Jean-Aubert Philippe, après le dis-nous plus. Effectivement, vice-président américain Kamala Harris commence un travail difficile, ça, ou une d'académie, mission difficile, ça, que le président Joe Biden Bali, pour arriver à travailler avec le président Amérique centrale, trois pays, particulièrement Guatemala, Salvador avec Nicaragua, pour arriver à diminuer le flot d'immigrants qui ont quitté le pays pour venir chercher asile aux États-Unis. Vice-président américain Kamala Harris parlait avec l'organisation communautaire dans Guatemala un jour après l'administration a annoncé une science économique à Claude Jeffort pour aider Guatemala et pays voisins à ralentir les problèmes d'immigration qui dépassaient. Rencontre souligne l'importance pour mettre le peuple Guatemala dans le sens de solution pour déraciner les causes des problèmes d'immigration. Pendant un compte vice-président Kamala Harris, te gagné avec le président Guatemala Alejandro Diamatei, li déclaré li pas capable tendre pour tendre opinion organisation communautaire yo et moun k'ap viv nan région an doué nan sans toute démarche n'a fait. Une quantité immigrants voyager soti Guatemala, El Salvador avec Honduras pour venir aux États-Unis. Quantité immigrants sa yo forcé président Joe Biden désigner vice-président Kamala Harris pour travailler avec gouvernement trois pays sa yo ensemble avec Mexique pour essayer discuter facteurs qui motivent population parti quitter pays yo. Programme Alimentation Mondiale PAM publie un rapport dans consom année pour dire après plusieurs cyclones qui frappé région mette avec effet économique pandémie coronavirus là quantité monde qui fait face avec gangou dans Guatemala, El Salvador avec Honduras arrivé jusqu'à 7.8 millions monde. Programme 310 millions de dollars administration américaine annoncé lundi 26 avril là pour aller chercher résoudre problème sécurité alimentaire dans région et puis distribuer l'autre besoin humanitaire. Et faut que là-dedans une assistance pour fermier yo manger avec programme alphabétisation pour petit monde qui gagne l'âge pour aller à l'école, service soulagement après désastre, service protection réfugié pour monde qui a cherché asile avec monde qui forcé abandonner caillou. I believe that the work, in order to be successful, will require everyone's participation, and I do believe also it will require political will and hard work to accomplish our goals, but I am en plus de États-Unis, c'est responsabilité pour parler avec les pays voisins, sans oublier volonté pour porter l'espoir par le peuple Guatemala pour dire rester la caille pour peut-être pour avoir une opportunité pour tout le monde.
Si nosotros, y me congratulo realmente de poder platicar con Monsieur usted. Yamatei déclaré que le gouvernement lié a partagé l'objectif États-Unis. Il a déclaré créer espoir dans consolider une mirage de prospérité, côté peuple après jouer une opportunité dans le propre pays pour avancer sans y pas de nécessité aller dans un pays étranger, tant qu'aux États-Unis. C'est où ça qui est l'objectif nous. Deux pays sont d'accord sur un plan pour les États-Unis déployer un groupe employé du département de sécurité intérieure pour entraîner même unité protection frontière Guatemala. États-Unis et a aidé tout dans l'autre programme assistance pendant que l'a construit abri pour accueillir les immigrants qui retournent dans Guatemala. Merci Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert, faut dire que réunion ça fait entre président guatémaltèque là avec vice-président Kamala Harris dans le moment que président Joe Biden lui-même l'a paré demain pour la présenter un discours devant nation devant deux chambres congrès réunies et question immigration très naturellement on pas besoin gros savé pour connaître que l'a dans mi-temps et discours à Jean-Aubert. Effectivement, c'est cheval bataille républicain surtout qui voulait pour le président parler de question d'immigration sur frontière sud États-Unis partagée avec Mexique. Parce qu'il connaît que ça, c'est point faible que l'administration a gagné. S'il marque point dans leur côté, mais là, c'est côté qui est difficile à faire. L'administration a pensé qu'il a bien fait assez. Et elle a été désignée vice-président pour le remplir comme ça. Mais la mission a commencé un peu tard. Mais c'est d'abord, il a cherché dans quelle mesure il a pris le problème à la source. Ça veut dire que commencer à résoudre le problème, créer des conditions, la caille et triangle, ça, triangle, c'est Guatemala, Nicaragua avec El Salvador, créer conditions idéales pour les gens qui sont dans le pays. Parce que parmi les raisons de faire quitter le pays, tout ces questions de sécurité, tout ces questions de crime, en plus de la misère, mais les gens qui sont nous résoudre pour dans pays la caillou et ben rester dans pays pour pas venir chercher en meilleure condition aux États-Unis. Merci Jean-Robert et donc gros rendez-vous demain c'est président Joe Biden qui prend la parole devant deux chambres congrès réunies discours ça fait dans la soirée vers 8h comme ça le Washington. Mes amis, c'est un plaisir. On l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et merci pour toute notre équipe là en parlant de Lionel Demarat et puis Zorgnac et puis Natalia. Bonsoir tout le monde, à demain. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. C'était un plaisir pour me dépasser, informer et porter tout détail ça au bout. Moi, Rémi Wapil, non pas M. Foucault. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Moi, pralé ma quito, n'a pas papa monje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Au revoir. À la prochaine. M'ramasse paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.